Entrons là-dedans. Le Terra Nova. On voit ? Je détecte une des transmissions des unitologues. Elle vient du berceau. Et les autres vaisseaux, alors ? Sûrement piégés par les mines. Venez, on va jeter un œil. Là, le vaisseau ! Il a été touché par une mine. Et en plus, quelqu'un a pris l'accélérateur lumière. Évidemment. Ils ont dû le mettre dedans. Venez. Salut tout le monde, on se retrouve pour le deuxième chapitre du DLC L'Éveil de Dead Space 3. Et je suis avec Chagar. Salut Chagar. Salut, salut. Donc là, on vient d'atterrir près du Terra Nova. Et l'objectif, c'est de fouiller le Terra Nova. Nous ne quitterons pas l'orbite de Tovantis avec notre vaisseau de fortune. Et si j'en crois le champ de débris que nous avons traversé, les unitologues non plus. Ils ont retiré l'accélérateur lumière de l'un de leurs vaisseaux et ont trouvé refuge à bord du Terra Nova. Qu'est-ce qu'ils préparent? Donc, on risque de tomber sur pas mal d'unitologues. Qu'est-ce que tu fous là? J'aime bien péter la tronche à ces salopards. Oh, qui n'aime pas? Attends, comment on monte l'objectif déjà? C'est B, non? Ouais, c'est ça, c'est B. Ok. Ah non, c'est je les hais, je les abomine, tout ce que tu veux. Tout ce que tu rêves. Je crois que j'ai peut-être trouvé une entrée. Ouais, c'est là. Je suis juste derrière toi. Let's go. Je mets une bébête. Ah, de l'air. Ah, c'est pas comme si on en manquait non plus. Il nous restait genre 300 secondes, je crois. Ah, ça c'est sûr, tu manques pas d'air. Merci pour cette. Si quelqu'un est encore sans esprit, qu'il achève le plan. On pensait que le réacteur alimenterait l'accélérateur lumière. Mais ils l'ont emmené au centre opérationnel et ils m'ont enfermé ici. Allez, à la passerelle. Vous pourrez sans doute contourner le verrouillage. Mais vous devrez. Oh non, il est temps de nous rejoindre, mon frère. Non! On dirait que les unitologues sont encore plus pété les plans les plombs qu'avant. Semblerait. Je vais changer de tenue. Je me rappelle plus. Qu'est-ce qui est devenu l'autre fou là, le chef des unitologues, il est mort ou pas? Mais tu te rappelles pas, il s'est pris l'évolution dans la. Il faisait 2 tonnes. Ça fait longtemps, tu sais, il y a tellement de jeux à jouer en ce moment. Je sais, mais c'est un souvenir qui restera gravé dans mon cœur éternellement, ce connard et la tronche qu'il a fait quand il s'est pris dans la tronche. Ah, bonheur, bonheur, bonheur. Non, c'est juste que la voix que j'ai entendue de l'unitologue, elle me faisait penser à lui, donc je sais pas. Je me suis dit à un moment, est-ce qu'il est vraiment mort? Ouais. Je me rappelle bien de cette image où je vois se faire. Empaler, voilà. Il n'y avait rien de mieux. Ah, ça. Faut dire qu'il nous avait bien couru sur les nerfs, le salopard. Bien sûr, il était venu nous faire chier jusqu'à Tovantis. Moi, faut que je me refasse des munitions aussi, faut pas que j'oublie. Alors, on va sans doute bientôt trouver un établi. Regarde, ils ont pété les plombs, ils commencent à faire des formes de monolithes en papier scotch. C'est du scotch, ouais, mais en papier. Ouais, papier scotch. Tous ces cierges là. Ça me rappelle le. Quand on en était à la moitié du 1 et qu'on tombait dans la chapelle des unitologues avec tous les cadavres partout avec la petite musique. Oh punaise, je crois que c'était un des moments les plus stressants du jeu. Et c'était passé quoi déjà? Zone flippante, il n'y avait pas de truc particulier. Il y a un truc qui nous attend en haut. Ouais, je le vois. Hey. Ah, ça meurt! Ah oui, ça meurt. Ah bah, je sais pas, il y avait les autres qui disaient ils ont faim, eux on pouvait même pas leur tirer dessus. Ah, ça. Ok, il y a un truc. Couvre-moi. Ok. Alors, voyons voir, on déconnecte le fil rouge, on rebranche le noir, et on est bon.
Niveau 3 accessible. Heureusement qu'on t'a mis des couleurs, hein, sinon t'aurais du mal. Et maintenant, l'ascenseur. Il nous conduira à la station. Mais bien évidemment, allons là où il y a encore plus d'unitologues. C'est pas par là apparemment. Récupérer l'accélérateur lumière au centre opérationnel. La folie qui nous ronge semble aussi toucher les unitologues. Ils avaient visiblement l'intention d'adapter l'accélérateur lumière au réacteur du Terra Nova, mais ils se sont entretués. L'accélérateur a été emmené au sommet du centre opérationnel. Ils se sont entretués ? Pour une fois qu'ils font quelque chose de bien. Mes yeux. C'est moi. Dans ma tête. Elles veulent. Elles veulent que je les guide. Vous entendez ? Quoi ? Non ! Non, j'entends rien ! Les écoutez pas ! On doit partir ! Et si c'était ce qu'elles voulaient ? Non, Isaac ! Quand quelqu'un entend des voix dans sa tête, c'est qu'il devient cinglé. Et vous, vous devenez cinglé, compris ? Ramenez cet accélérateur lumière ! Attends, c'est Carver qui dit ça alors que lui il entendait sa femme, ses enfants et tout ça pendant tout le jeu. Ouais, par contre, c'est t'entends des voix toi pendant la. Ouais, j'ai entendu des voix. T'as vu quoi t'as, tu vois une sorte de planète qui. Jaune et qui sera. Non, pas de voix. Elle disait quoi les voix? Sur le coup, j'ai pas fait attention, j'ai cru que. Elle disait. Bonne mère. On parle d'un accueil. Ah, ça c'était dans les screenshots du jeu. Regarde, qu'est-ce que c'est joli. Miam, miam, miam. Ah, c'est de l'unitologue, donc je devrais être content, mais... Disons que le fait qu'il y ait quelqu'un ici capable mentalement de faire ça m'inquiète encore plus que le fait de savoir qu'il y a ces machins ici. J'ai ramassé un message. Ah, voyons voir. Oui, folie. C'est qui elle? Ok. Ouais, on a un autre message, regarde, il est encore plus flippant. Apparemment, ils ont transformé le vaisseau en église. Ouais, c'est celui que je disais là. Mais c'est qui elle? Attends deux secondes. Oh, oh punaise, je me suis gouré. Ouais, t'inquiète, je me gourre aussi. Attends, est-ce qu'on a lu le même D'autres croyants furent ainsi rappelés auprès d'elle. Ouais, attends. Non, non, c'est, on n'a pas lu la même. Ah, ok. Et apparemment, ouais, leur nouveau chef est encore plus taré que l'ancien. Ouais, folie, 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 quoi. Toujours un ouais, chose, ouais. Vraiment méchamment, là. Ah, mais il y en a plusieurs, okay. En plus. Ouais. Et c'est vrai que je pense qu'en solo, ça ferait beaucoup plus peur que ce qu'on a eu jusque-là. Ouais, c'est bien compris, c'était le but, mais... C'est vrai que là, ouais. Quand tu regardes, c'est quand même des mains qu'ils ont accrochées sur... autour de Phil. C'est vrai que c'est assez flippant. Et tiens, et regarde, ils ont modifié les inscriptions au-dessus des portes. Enfin, moi, si je connaissais les scénaristes de Dead Space 3, ça serait encore plus flippant. Je veux dire. On a du monde. Ceux-là, on peut les tuer, je crois. Pas encore. Ah ouais. Les regards, ils se sont arrachés leurs mains pour se mettre des mains de. Ah, lui, il va se faire sacrifier, je crois. Regarde. Tirer dessus. Je pense qu'il faut s'avancer, il va se passer quelque chose. Ah. Ramasse tout ce qu'il y a autour de toi et prépare-toi à tirer beaucoup. Ouais, je crois aussi. On y va. Let's go. Je passe par. Prends position là-haut. Viens vers moi. Oh là. Ils disparaissent.
était réel. J'en suis certain. Ah, fais chier. On se tire. Où est-ce qu'on doit aller? À la station centre. On devra prendre le tram. Putain, il est abandonné, il y a encore un tram qui marche. Ok. Tu sais, c'est comme la vieille loi des jeux vidéo qui veut, même si ces trucs ont 200 ans, c'est pile quand le héros marchera dessus que ça finira par péter. Ouais, je m'en rappelle ça. Et attends, faut d'abord que Ellie passe avant que l'échelle se... Se pète, attends. Comme ça, comme d'habitude, on est séparés. Ouais. Alors on va où déjà? Station centre, c'est ça? Ouais. On peut même pas lire l'objectif, on va dire ouais. Au pire ils nous diront que c'est pas là. Ils arrivent mes frères. Ils arrivent et ils ont très faim. Votre âme pourra-t-elle les nourrir? Ou sera-t-elle jugée insuffisante? Construisons ensemble une nouvelle église. Non pas avec des briques, mais avec nos chairs. Rendons un hommage si fervent que même au-delà on sera troublé. Ils arrivent, mes frères, et nous serons prêts. Leur nouveau chef est encore plus starbé que l'ancien. Ouais, il leur faut peu de temps pour trouver un nouveau cinglé. Ouais, c'est de pire en pire. À ton avis, est-ce qu'on peut leur nourrir, les nourrir avec des balles dans leur gueule aussi? Parce que perso, je préférais cette option. Je sais pas si c'est vraiment ça qu'ils recherchent. Peut-être, mais s'ils veulent, c'est ça qu'ils vont trouver. Regarde ça là. Clairement. Non, il y a des trucs à fouiller par là. Ah, il y a un établi. On va pouvoir faire des munes. Je vais peut-être modifier une de mes armes, moi. Peut-être faire une nouvelle arme, parce qu'on a eu plein de trucs depuis. Ouais. Ouais. Bon, let's go. Je viens juste de me créer une arme. Je sais plus ce que c'est en fait, mais je me suis créé une arme. C'est un géomètre avec un module d'explosion. Un outil intérieur d'explosion, je sais pas trop bien ce que c'est. Je vous sens hésitant. N'ayez pas peur. Chacun sera le bienvenu dans notre église. Mais qu'avez-vous à offrir? Une oreille attentive à leur message. Ouh. Nous serons capables d'appréhender leur sagesse. Sympa. Mais attendez l'enfoiré. T'entends les... La respiration. Ouais. Ok, il y a des gens qui nous attendent en haut. Aucune importance, on va les buter. On peut pas. Toujours l'autre là, le sorteur. Allez, avance. Non, je vais pas y aller. Merde, évidemment il m'arrive dessus pile quand je recharge. Je peux juste taser. Oh non! Non, au secours! Il y a le tout furieux qui me suit. On peut rien lui faire. Oh la petite saleté en approche. Ok, je m'occupe de mon couloir. Ok. Merde, saleté! Et je recharge. Wow, wow, wow! Oh non, il m'a apostasé! Soyez prêts quand nous vous trouverons. Et nous sommes prêts. Nous expions les péchés de nos corps et nous parlons d'une voix qu'ils sauront entendre. Qu'est-ce que vous nous voulez? Isaac, hé, du calme, il n'y avait rien. Vous êtes sûr qu'on fait le bon choix? Vous êtes sûr? Les laissez pas vous avoir, ils veulent nous manipuler. L'essentiel, c'est de retrouver l'accélérateur lumière et de rentrer chez nous. Compris? Hé, vous avez compris? Je vais retourner à la maison. Oh, putain, il y en a un qui va faire des choses là.
Qu'est-ce qu'il faisait là, lui? C'est perdu. Va savoir. Allons-y. Voilà l'autre psychopathe. Genre, j'ai plus de place pour les munes. J'ai trop de soins. On n'est pas là pour collecter les soins. Oh, et puis zut. Let's go. J'hésite à partir sans toi. T'as de la chance. Ils en utilisent quand même des sprites pour faire leur tag. Ouais. C'est pas économique tout ça. En haut. Ouais, il nous regardait en haut. Non. Vivement qu'on puisse lui en coller une. Maintenant ils écrivent en langage je sais pas quoi. Bah, langage extraterrestre comme depuis le début. Enfin, en fait c'est pas... En fait c'est... Ouais attends, c'est... je me demande... Est-ce que c'est le langage des monolithes ou des extraterrestres qui ont construit la machine? Plutôt des monolithes je dirais. Une idée. Hein? Attends, regarde! Regarde ça! J'ai le truc de la caisse qui s'est coincé dans mon perso! Ah, dommage, c'est parti. Ah, non, moi je le voyais pas. Mais les caisses, enfin, il y a certains trucs que tu peux voir que de ton côté, c'est pas sur le serveur donc. Parfois c'est fait, je peux pas le voir. Et, bon, établi en bas, mais on en a. Par contre, j'aime bien le truc là, no smoking. Enfin. Là, t'as vu, il y a un rouleau de scotch. Ah ouais? Let's go. T'es allé en bas ou pas? On va pas en bas? Non, je crois que. Attends, je vais voir vite fait. Non, mais juste voir ce qu'il y a. Non, non, on prend l'ascenseur. Bah, je descends aussi, allez. Sinon, y a rien, ça. C'est juste un établi, un truc d'essayage et rien. Ok. Rien qui nous intéresse. Par contre, tu me bloques à part ça. Ah, tu peux pas monter, hein. Ça rend trop con quand même. Ouais, tu me l'as fait trois fois, toi déjà. Non, moi je fais jamais ça, je suis pas si. Pas un gamin comme toi. Je ne dirai rien. Wow. Y'a rien à dire aussi. Pourquoi y'a un trou, y'a rien. Enfin bon. On dirait. On dirait que c'est une fête. Fête de Noël, ouais. Ah tiens. Aïe. Wow! Problème en approche! Oh, je me suis re-téléporté ici. Oh, mais le revoilà. Et me suis, non! Moi, j'ai ce standard qui me fonce dessus, mais lâche-moi, lâche-moi! Moi, j'ai des petits noirs. Ouais. Oh, et l'autre qui se téléporte. Je suis en train de perdre toute ma vie, je vais mourir. Non! Laisse-moi tranquille, t'as rien fait. Ah mais mourez ça. Oula, y'a des monolithes qui se mettent de couleur jaune ici. Je sais pas ce qui se passe. Le monolithe scintille. Ça fait plus joli. Non mais Isaac l'a dit, le monolithe scintille, donc si on se passe un truc. Ah. Non, y'en a encore. Bah moi je suis paumé tout seul là. Franchement y'a pas grand chose à dire à part qu'il y a des saletés qui me foncent dessus. Tire, tire, Carver, tire. Oh, il m'a stasé l'enculé. Non, oh, ça arrête pas de spawner. Normalement que j'ai des kits de soins à ne plus savoir quoi en foutre. Là ça devient un peu abusé. Mais il y en a encore beaucoup. Je dois le tirer dessus quoi, putain, qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas, mais dépêche-toi parce que je crois qu'il y a un truc à faire et que tant que t'auras pas trouvé, ça va pop en boucle. Pourquoi serait moi et pas toi? T'es mort de toute façon. J'ai pas vu venir.
Bah peut-être que ouais, je dois sûrement faire un truc, mais attends, on laisse moi ramasser les trucs, putain. Ouais, réfléchissons. Enfin, là on peut pas réfléchir maintenant, mais je verrai sur le truc. Mais toi t'es pas poursuivi par l'autre, moi je suis poursuivi par l'autre Faté. Et j'ai juste des saletés qui popent en boucle, qui me... Bon bah c'est reparti. Round number 2. Tommy, crève, mais arrête d'esquiver. Ok, revoilà le fou furieux qui me suit avec sa... avec son outil. Ah, non, aïe. Mais merde, à la fin, mais ils allaient mourir, oui. Putain, bon, je change d'arme, celle-là, elle vaut rien. Allez, allez, approchez. Vous aimez ça quand je vous stasez, hein. Ok, je peux pas lui tirer dessus, il évite toutes mes balles. Ok, le monolithe qui se met à scintiller. Mais à part ça... Je vais avoir du mal à essayer de faire de l'exploration ici, il y en a beaucoup. Putain, mais c'était les portes devant mes tirs aussi. Ah, mais attends, j'ai télékiné. C'est quoi déjà le... la télékinésie, le bouton? Mais si t'es un monolithe, déjà tire-lui dessus. T'as pas essayé? Ça sert à rien de tirer dessus. Non, c'est quoi la télékinésie déjà? Tu tire-lui dessus, te dis-je. Non, mais ça sert à rien de tirer dessus. Moi quand j'avais les visions avec Carver, c'est ce qu'il fallait faire, donc c'est peut-être ça, essaye, ça coûte rien. J'ai déjà fait, je t'ai dit que ça sert à rien. Ah d'accord. Bah, je pourrais essayer mais... Bah faut peut-être beaucoup tirer, je sais pas. Ah ouais, faut lui tirer dessus, c'est quoi ce bordel? Mais quand il scintille seulement en fait. Ah bah voilà. Bon écoutez ce que dit Isaac, de temps en temps il n'est pas que de la merde non plus. Eh ben, il a fallu que je comprenne pour toi, quand même.